tu fais un poste où tu présentes quelqu'un et tu déclares qu'elle était sa compagne pendant ces derniers temps. Pourtant, tout le monde sait très bien que sa compagne pendant les derniers temps, c'était Carmen. Bon, c'est quel genre de rappel toi tu veux faire si c'est pas même pas la peine de chercher. Il a posté. J'ai dit, allez poster la photo. Et puis, mon compagnon, mon frère, a suivi. Donc, lui, il est mieux placé pour parler de ça. Alors, bon, Arnaud, dis-nous. Exactement. La femme en question, c'est qui exactement pour Arafat? Parce que vous n'êtes pas reproduit vraiment. C'était la chérie d'Arafat. À quel période de sa vie? Oui, pendant ces derniers jours. Juste avant son décès? Avant son pendant décès. Qu'il était avec Carmen. Oui. Il était polygame? Ah non, il faut savoir parler. Non, parce que Semen tu as assise à côté, c'était la chérie d'Arafat. Non, faut savoir parler. Ce gars, nous on a posté la photo. Elle s'est pas plainte, voilà, elle n'était pas informée. On a posté la photo comme ça. C'était juste une manière pour nous d'être un peu reconnaissants pour ce qu'elle a eu à faire pour nous. Je tiens à dire, ça c'est une anecdote. Lors de notre dernier concert au Yilams, l'artiste n'était pas vraiment bien dans sa peau. Voilà, et c'est elle qui a été à ses côtés, qui l'a conseillé, qui a même trouvé des médicaments pour qu'il puisse vraiment se remettre sur place pour aller vraiment à ce concert. Et pendant ce temps, Carmen était où? Merci. Pardon? Carmen était où pendant ce temps? Bon, là, je ne saurais plus vous. Je sais. Mais comment tu ne sauras le dire? Moi, je... Mais on dit que Rafna te ressemble énormément. Qu'est-ce que tu réponds à ces personnes qui disent que tu serais peut-être le père de Rafna? Si elle me ressemble, elle me ressemble pas. C'est ma fille. Alors, en ce moment, Olo, toi et Arnaud Jaguar, vous avez fait une déclaration comme quoi vous proposez, bientôt vous allez lancer un documentaire sur la vie de Feu Didier Arafat. Tina Smith a fait une sortie pour dire que si vous sortez ce documentaire, la prison va vous dégoûter. Qu'est-ce que vous avez répondu? Elle vous foutra au ouf. Non, il laisse mon frère répondre. Non, on a dit très bientôt, le 12 août, il y aura la sortie du documentaire de la vérité. Le documentaire de la quoi? De la vérité. Mais pourquoi Tina vous empêche donc de faire sortir le documentaire? Non, ça c'est un pouvoir. C'est notre moment, c'est une femme à respecter. Dans la vie, je la respecte, la femme, parce que c'est la mère de mon meilleur ami. Je ne suis pas censé là pour la vilipender ou la dénigrer sur les réseaux sociaux, parce que ça fait comme s'il n'y a pas respecté la mère. Mais tu l'as déjà fait ça à plusieurs reprises. J'ai répondu parce que ma maman n'est pas sa camarade. T'es dit clair. Ma maman, elle est 12. C'est dit, il y a des femmes, ma maman a couché des c'est dit, ma maman a couché ma grande soeur, tu as même âge avec elle. Voilà. Donc, ma maman n'est pas sa camarade. Ce que je peux te dire, maman, quand ton fils a commencé à chanter, tu n'étais pas à ses côtés. Quand Arafat avait des problèmes, tu n'étais pas à ses côtés. Quand Arafat traversait les moments difficiles, tu n'étais pas à ses côtés. Ce sont ses amis qui étaient à ses côtés. Donc, il faut respecter ses amis. Arafat, c'est Arafat, il sait chanter. Mais ce n'est pas lui ce que tu donnes les idées. Et ceux qui sont à côté aussi peuvent lui donner des idées. C'est un bon. La yoga, c'est un état d'esprit. Arafat sait chanter, mais il y a des concepts qu'il ne connaît pas. On lui donne, il chante. Fafa. Suivez Fafa tous les samedis à partir de 12h et les dimanches à 17h sur Ivoire TV Musique, numéro 209 des bouquets Canal Plus Afrique.